Eh bien, chers amis, bonjour. Nous voilà sur le départ pour la conférence Microsoft. C'est l'ami Nersès qui s'est levé particulièrement... Salut Max. C'est l'ami Nersès qui s'est levé particulièrement tôt pour nous y conduire. Alors, je dis nous, je vais m'adresser à vous à partir de maintenant. Vous êtes celui, ceux qui me regardent par cet objectif. Et vous n'avez pas d'accréditation pour Microsoft. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, c'est Pauline qui tient la caméra. Bonjour Pauline. Et en fait, ce qui s'est passé, on va laisser Nersès récupérer la voiture. Ce qui s'est passé, c'est que la personne en France qui était censée l'enregistrer pour la conférence, donc personne que nous avons quand même contacté 4 fois pour nous assurer que cela avait bien été fait, eh bien, n'a pas terminé cet enregistrement. Donc nous nous retrouvons dans l'obligation de nous rendre au comptoir information de la conférence un peu en avance pour essayer d'obtenir cette accréditation. C'est un peu tout le temps la même chose avec nous, on n'a vraiment pas de bol, mais j'ai bon espoir que nous y arrivions. Bon, on attend Nersès, on monte en voiture et c'est parti. Comme chaque année, en fait, Microsoft s'amuse un petit peu avec nous puisqu'ils tiennent systématiquement leur conférence qui ouvre le bal très tôt le matin, en pleine heure de pointe. Donc, comme nous l'avions prévu, nous sommes un tout petit peu embêtés par les bouchons. Et ben, j'espère vraiment qu'on va arriver à l'heure, quoi. Viens descendre de la bagnole, la conférence démarre dans 20 minutes je crois. Ça va être super attendu de choper la crête de Pauline. Mais on va essayer. Je sais même pas où on doit aller. C'est vraiment la merde là. On ouvre une barrière. Ok, à la française, Julien Giraud, si tu nous regardes, celle-là elle était pour toi. Bon alors du coup là je vais demander à quelqu'un comment on peut faire pour enregistrer. Excuse me. Our registration wasn't complete, so where we up have to go? Stairs. Up the stairs. Up the ok, thank you. Mon anglais matinal est particulièrement mauvais, vous m'en excuserez. Don't you have your barcode? Peut-être que le fait de ne pas avoir de badge va nous faire passer plus vite, puisque tout le monde s'est évidemment enregistré et a pu compter sur une personne de confiance pour le faire. Et peut-être que nous, dans notre malheur, eh ben, on va passer plus vite, on verra. Eh bien, ça y est, nous y voilà. Nous avons encore une queue à faire. Et j'espère très sincèrement que la circulation jusqu'à l'intérieur du Galen Center ne sera pas trop perturbée. Parce que sinon, on risque d'avoir du mal à trouver une place et à suivre correctement la conférence. Maintenant, c'est l'attente. Eh bien ça y est, nous l'avons, enfin. Et on va essayer de rentrer maintenant. T'as même pas ton nom dessus, Pauline, moi j'ai mon nom. Eh ça y est, on l'a. On a Xbox ici, Sony là, tout va bien, je sais pas ce que c'est. Bon, il faut... Ok, il faut... Voilà, c'est là où on va devoir aller s'asseoir. Ça y est, je suis perdu. Yeah, ok. Un peu perdu, quoi. Eh bien voilà, on y est, et avec même je crois 10 minutes d'avance, c'est ça Pauline? Franchement, respect à nous, on a réussi, ça a été une belle aventure humaine, je trouve, une belle épreuve, et je pense qu'on a pris une belle revanche sur la vie par rapport à l'année dernière. Maintenant on va se concentrer sur la conférence en espérant qu'il y ait plein de belles choses annoncées. D'ailleurs je crois que c'est parti. Alors on a l'explication de pourquoi ce bracelet étrange, c'est qu'en fait on sert la présentation de Microsoft d'une certaine manière, on est un peu l'éclairage de la salle. C'est original, pour une fois, ça change. We share a common purpose with our friends at Sony, Nintendo, and the developers and publishers in our industry. Alors Phil Spencer vient de démarrer son speech d'introduction. Et je crois que c'est la première fois que j'entends ça dans un speech de conf. Il vient d'appeler Sony et Nintendo ses amis, les amis de Microsoft. Je crois qu'on n'avait jamais entendu un truc pareil, enfin, il me semble. Sans surprise, la conférence de Microsoft qui s'est ouverte sur la présentation de Call of Duty Advanced Warfare, forcément aux États-Unis. Et comme on pouvait s'y attendre, on a eu de l'héroïsme larmoyant, des grosses basses et un moteur pas terrible. Voilà.
très impressionnante présentation quand même d'Assassin's Creed. Ubisoft acclamé ici au Game Center. Et beaucoup d'émotions à voir ces têtes de nobles épiques, entre belles et grandes et sanglantes révolutions aussi acclamées par les Américains. Je trouve ça absolument fantastique. Pour l'instant, la plus grosse annonce de cette conf Microsoft, c'est quand même celle de Super Ultra Dead Rising 3, EX plus Alpha, je ne sais quoi d'autre. Capcom qui a vraiment rendu la salle hilar là, en annonçant ce truc complètement improbable. Ils ont quand même de l'humour de jouer sur leur côté recycleur de cette façon-là. Enfin, pour le coup, ils ont fait moche. On est en pleine présentation d'Halo 5. Ils viennent donc d'annoncer le Master Chief Collection avec tous les Halo réunis. Et surtout, on entend des bonnes choses, je trouve, de la part de 343 Industries, c'est-à-dire qu'ils confirment vraiment que la direction qu'ils ont empruntée avec le 4, ils vont encore les pousser plus loin dans le 5, c'est-à-dire une excellente direction, enfin, j'ai trouvé. Donc là, j'espère juste voir le jeu tourner, je croise les doigts, et puis je vous dis ce que j'en pense. Énorme déception. Zéro gameplay pour Halo 5. Alors là, pour le coup, personnellement, je comprends pas. Du tout. Mais du tout. Comme on pouvait s'y attendre, Microsoft vient clairement là d'envoyer un signal aux indés. On leur a quand même pas mal reproché les avoir un peu mis de côté et en tout cas de ne pas les considérer de manière assez sérieuse. Et là, dans la ligne de ce qu'on voit depuis le début de la conf, il y a vraiment une attitude très les jeux. Et là, l'indé devrait normalement traiter bien différemment de ce qui était prévu à la base. Et bien voilà, nous sommes sortis. On se retrouve de nouveau dans les embouteillages. Comme d'habitude, quoi. Encore une petite demi-heure, je pense, pour sortir. Et on va se débriefer ça à l'air libre. Bon, bah voilà. Aïe, ça me fait mal avec un buisson. Ce fut une conférence quand même plutôt convaincante, j'ai trouvé. T'as trouvé, Pauline, aussi? Ouais. C'est pas mal, plein de jeux, très peu de blabla. Globalement, ils ont vraiment fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire de montrer des jeux et de réaffirmer que la Xbox One, c'est une console de jeu, c'est pas qu'un Media Center. D'ailleurs, on n'a même pas entendu une seule fois parler de ça. Media Center, que dalle, Kinect, que dalle, que du jeu, tout du long, des trailers, un peu de gameplay, pas assez à mon goût, il y a quand même des jeux qui ont été un peu passés sous silence. Mais voilà, globalement, c'est convaincant. Et puis maintenant, on va voir la réponse de Sony qui doit être prêt à envoyer la sauce également. C'est parti.